Vous êtes bien sur la chaîne YouTube de Motomag. Regardez ça, j'ai fait les comptes. On a pour plus de 170 000 euros de moto. Ça fait de la thune. Ça a bien changé Motomag à l'époque où ce magazine surkiffait la Deauville dégueulasse en fin de vie. Aujourd'hui, il y a plein de belles motos qui font rêver. C'est justement le thème de cette émission. Monsieur Mellerin, chef oui, des essais. Salut, le thème salut, de l'émission, c'est on a pris pour la sortie de l'été de Motomagazine la moto qui nous faisait kiffer. Voilà. Et comme je viens de dire, il y en a pour 170 000 balles. On ne s'est rien interdit. Non, on ne s'est rien interdit. Bah, ça fait suite au sujet qu'on avait fait déjà, c'était la moto oui. qu'on ne voulait pas. Absolument. Voilà, donc cet été, on a décidé de faire, de partir pour l'essai de la rédaction ouais. avec la moto qu'on kifferait bien avoir. Et en ce qui me concerne, tu connais mon amour pour les trois cylindres. Oui, bah d'ailleurs, tu reçois tes mensualités tous les mois de chez Triumph. Ouais, comment presque. Ça se passe. Donc du coup, j'ai pris la Rocket 3 Roadster, la Rocket 3 R. D'abord parce que c'est un trois cylindres et puis parce qu'en fait, elle est à la fois aussi exubérante qu'inutile presque, tu vois. Je n'allais pas dire comme toi, mais presque, il y a un bah, point voilà. commun. C'est exactement ça. Voilà. Donc, toi, t'es très utile. Ouais, non, mais voilà, parce que voilà, elle est incroyable, c'est un 3 cylindres. En plus, je sais pas si t'as vu, c'est tellement hors norme, parce qu'on dit souvent qu'il faut pas se fier à des fiches techniques pour le plaisir oui, qu'on mais a là, une moto. Oui, ouais. Mais là, oui. Là, si tu veux, tu lis là, 2458 cm3, 221 Nm de coupe, 167 chevaux, un alésage de 110 mm. Donc voilà, 3 cylindres, 2,5 litres. Le moteur, il est juste exceptionnel. Alors, moi, toi qui as une Speed Triple rose plus un Harley Sporter, c'est ouais. la croissance, la fusion des deux sous stéroïdes en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est, voilà. Le seul truc, c'est que je me dis, ce moteur, il est tellement terrible qu'il pourrait l'utiliser à autre chose que cette espèce de custom. Parce que pour tout vous dire, à rouler, elle est, voilà, il a un moteur terrible. Et par contre, bah, elle a du mal à tourner, etc. Donc, mais elle est tellement exubérante. Et dans le marché aujourd'hui, il n'y a aucune moto de 2,5 litres. Voilà. Bon, tu as les boss os avec le 6,2 litres, mais on commence à être vraiment sur ouais, le très possible. Puis c'est moins roulable. Ouais, c'est moins roulable. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet énorme 3 cylindres de 2,5 litres. Alors, on a passé deux jours sur la route. Ça nous a emmené jusqu'à Deauville. Après cet essai, tu confirmes ton choix. Tu garderais cette moto ouais, comme, ouais, comme franchement, moto de pérenne. Alors, je ne sais plus le prix. Elle est 22. 25. Ouais. Bon, elle est chère. Mais franchement, si j'avais un peu de sous à mettre, je crois que je me ferais plaisir. Tellement le moteur est incroyable. Il faut l'essayer. C'est 2,5 litres, 3 cylindres. Il faut l'essayer. C'est hors norme. C'est voilà. Donc, c'est un peu comme la Kawa compresseur. Ouais, ouais. C'est des moteurs qui bientôt n'existeront plus, j'en suis sûr, avec les normes. Donc, effectivement, comme petite moto plaisir, je confirme le fait que j'aimerais bien l'avoir. Voilà. Ça marche, merci. Bon, bah alors, voilà, à ton tour, cher Gilles Guimauve. Alors, toi, en tant que personne qui a eu une enfance difficile dans oui. les Ardennes, oui. Où la moto la plus chère était aux environs de 1300 francs. C'était un sidecar de l'armée allemande qu'on avait gardé après l'occupation. Voilà, voilà. J'ai remarqué que tu kiffais bien aussi les motos chères. Oui, ouais, c'est comme ça, tu sais, c'est la vengeance. Voilà, la semaine dernière, tu étais sur une Harley, oui. Je sais plus quelle modèle. Une Lowrider ST. Lowrider. Et alors là, celle que, a priori, tu aimerais bien avoir dans ton garage, c'est là. C'est la Road Glide ST117, pour plein de raisons. En fait, d'abord, j'aime pas les motos lourdes. Et là, tu vas dire, ce mec est complètement con, il a pris 382 kg de légèreté. Exactement. Mais non, j'aime pas les motos lourdes, je précise, sauf celles qui ont le centre de gravité très bas, genre les gros cruisers ou la Goldwing. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'en fait, ça s'emmène beaucoup plus facilement. Tu sais, ouais, les gens vrai. Qui n'ont jamais essayé ça disent, ouais, c'est un autobus avec des roues. En fait, non, quand tu roules avec, c'est plutôt sympa, plaisant. D'accord. Donc... Je dirais presque agile. Donc en fait, j'aime bien rouler sur ces motos. Et comme tu le sais, puisqu'on roule souvent ensemble, je roule un peu comme un con. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et avec ça, tu peux pas. Et c'est vachement bien. Enfin, tu peux, mais il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Non, il y a la Race of Bagger, ouais. la King of Bagger, mais c'est un autre truc. Par contre, je sais que tu as un parangon de bon goût, un espèce de brumel esthétique oui. de la moto. Et le Shark Nose, là... Alors, j'adore. En 1974, Renault sort la Renault 16 TX. Ouais, c'est un choc absolu. Avec le petit aileron sur le voilà. toit. Aux États-Unis, ils mettent 5 ans à s'en remettre, puisqu'ils vont faire la Tour Glide. C'est pas la Road Glide, c'est la ouais, Tour ouais. Glide, avec les phares carrés comme ça, fin 78. Et c'est une moto qui aura du succès, notamment parce qu'elle a le carénage accroché sur le cadre et non pas sur le nez. Oui, exactement, et non pas sur la direction. Comme la plupart des autres Harley. Ouais. Et l'air de rien, ça lui donne, pas dire une légèreté, mais ça lui donne une espèce de neutralité de comportement qui est vachement agréable. Et en plus, ce look, je le kiffe, vraiment, j'adore. Okay. Je trouve que quand tu la vois arriver, avec son allure comme ça, un peu surbaissée, elle a une vraie gueule et j'adore cette moto. Donc en fait, tu regrettes pas d'avoir choisi cette moto ? Ah, mais je regrette pas du tout, d'autant que là, c'est la ST117. Ouais, gros moteur. Donc c'est la dernière évolution des Twin Harley, c'est le 1923 cm3, quelques chiffres, 103 chevaux, 168. Newton-mètre, je crois que... Non, toi, t'as 211 Newton-mètre. Bon, ouais, t'es un peu au-dessus, voilà. Mais voilà. mais quand même... au concours de la plus grosse... Ouais, ouais, bah... je gagne voilà. Mais quand même, et c'est un vrai plaisir parce que tu repars, il est très souple, tu repars en 4e à 1800 tours, vers les 4000, il se renforce, t'as du couple, de la longe, et je suis une moto qui est vraiment kiffante. Et en plus, elle protège mieux ouais.
Elle protège plutôt mieux que je le pensais. D'accord. Bon, on voit les estaminets qui réouvrent voilà. Derrière, c'est cool, c'est la journée. Voilà, bon, bah écoute, super. Et donc, en fait, à l'issue de mon essai, je suis toujours content d'avoir ça. Ok, bon, voilà. Bah, c'est cool. On passe au suivant. On va voir le suivant. Monsieur Mathieu. On va voir si tout le monde est content de son choix. Monsieur Mathieu, il y a quelque chose qui me fascine chez vous. Plein de choses me fascinent. C'est outre ton talent de photographe qui fait toi le Cartier-Bresson de la presse moto. Tu as aussi une forme de retenue dans la joie. C'est-à-dire qu'on te dit, prends la moto qui te fait kiffer, et tu prends la moins chère et la moins puissante du marché. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça beau, parce que tu pourrais faire un peu comme notre ami Pilgrim, le concours de, tu vois. Eh ben non, toi, t'es dans la simplicité, mais en plus, assumé. Et donc, cette Himalayan, alors tu voulais une Scram, hein, qui n'était pas dispo. Non. Même pas, tu voulais une Himalayan. Non, surtout pas une Scram. Tu voulais une Himalayan. Oui. Ben, explique-nous pourquoi. Non, mais c'est tellement convenu, évidemment, la moto de ses rêves, une énorme machine, etc. Moi, je revendique mon droit à la différence. Oui. Et voilà, donc c'est la moto de la décroissance. D'accord. Et toi, tu es pour la décroissance. Moi, je suis pour la décroissance totale. Et est-ce que le plaisir est inversement proportionnel à la puissance? Je ne l'aurais pas mieux dit. C'était très, très bien. Bon, non, mais la Lima. Alors, on a roulé cool, on a pris des petites roues, voilà, donc tu nous as suivi sans problème. Ouais. On a même vu qu'à un moment, ça prenait 140, à la lisière, les 140 sur autoroute. À l'aspiration derrière toi, avec ta Harley. Voilà. Mais non, effectivement, durant cette balade, ça. Je ne me suis pas senti à la peine, évidemment, à part sur l'autoroute, sur les voies rapides. Enfin, c'est évident, ça roule. Sa vitesse de croisière, c'est 110 km/h. À partir du moment où on sait ça, eh ben, il nous reste tous les kilomètres heure avant et ils sont bien agréables, ceux-là. Donc, et au point que non seulement tu ne regrettes pas, mais tu en ferais même ta moto du quotidien. Mais très clairement, très clairement, je pourrais me marier avec. D'accord, dans ce color hiver qu'avant. Et en plus, celui-ci, Pin Green, je le trouve très très beau. Et c'est une moto de. Moi, je te dis, Qui rend la vie plus simple. Ouais, et tout ça à moins de 5000 balles. À 5000, ouais. Et si tu veux, et tu cherches pas à savoir est-ce que le prochain modèle sera équipé du Bluetooth machin, est-ce qu'il aura les suspensions pilotées. Mais t'as le tripper quand même. Hein. Il est en trop, je suis d'accord, il est en trop. C'est de trop. Mais non, voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis c'est très bien que Royal Enfield ait un peu cette philosophie de moto qui revienne à l'essentiel et qu'on ne soit pas toujours dans cette frustration à attendre le prochain modèle. Ouais, la plus puissante, à part pour plus certains, grosse. Ils prennent leur plaisir avec ça. Hein. Suivez mon regard, Axel Mellerin, par exemple, qui ne fait que ça, acheter des nouvelles motos parce qu'une fois qu'elles sont consommées, Ça fait tourner le business. Hein. Ça fait tourner le business. Yannick, moment difficile pour toi puisque tu n'aimes pas les gens, y compris tes collègues, donc tu aimes bien rouler seul. Et chez, à la rédaction de Motomac, tu es le spécialiste des équipements. Et en fait, dès qu'il pleut, tu vas rouler loin et longtemps pour tester les équipements qui parfois ne sont pas étanches, à l'instar de. Bon, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Tu roules en trail routier. Tu étais très curieux d'essayer cette Triumph parce qu'elle a. A priori, toutes les cases que tu voudrais cocher, gros moteur, bonne protection, bon confort, capacité à faire de la borne. Est-ce que tu es content de ce choix? Voilà, tu as tout dit. Au suivant. Voilà. Non, tu m'as dit, j'adore, je n'aime que les trails routiers, parce que déjà, ils sont à ma taille. Et puis, je suis un ancien propriétaire de Tiger. J'ai une 955 que j'ai gardée très longtemps. Tu as fait beaucoup de kilomètres avec. 134 000 km avant qu'un abruti la fracasse en oubliant de s'arrêter. Ouais. Et donc, je me suis dit, tiens, la GT Pro, enfin la nouvelle Tiger, elle est forcément intéressante à mes yeux. Parce que j'ai une tendresse particulière pour le 3 cylindres de Triumph. Mmh. Donc j'ai passé la case 800-900 parce que je n'étais pas très convaincu, mais celle-ci est plutôt intéressante. Et à l'usage, ça se confirme? Alors à l'usage, ça n'a rien à voir avec la 955 que j'avais dans le temps. C'est une moto très très efficace qui manque un peu de personnalité, de caractère, je trouve, comme dans le temps, mais c'est super efficace. Quoi. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Tu appuies sur un bouton, la moto elle marche, elle avance toute seule. Mmh. C'est puissant, c'est souple. La position de conduite est bien. La bulle réglable d'une main, c'est top. Il y a une bonne protection, même en position haute. Donc, c'était super efficace. Quoi. Donc, tu la garderais, tu changerais ta KTM contre ça ou pas? Si j'ai une bonne réduction sur le tarot. On va en parler. Parce qu'elle n'est pas donnée quand même. Ouais, la gamme commence à 18 000 quelque chose. Ouais, c'est ça. Et donc, si tu veux ce modèle-là, tu passes déjà les 20 000. Quoi, ouais. Donc pourquoi pas dans l'absolu, dans l'absolu. D'accord. Mais bon, il faut que j'appelle mon banquier avant. Appelle ton banquier. Merci Yannick. Tu aimes ton banquier ou pas? Ou tu n'aimes personne du tout? C'est mon banquier qui ne m'aime pas. C'est ton banquier qui ne t'aime pas. Ah, ça vient peut-être de là, en fait, du coup. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Merci Yannick. Je t'en prie. À bientôt.
On passe à notre chef, le chef qui est le plus beau, le plus gentil et le plus chauve de toute la presse moto. Chef, j'ai une pièce de suspicion. Parce qu'en fait, on sait qu'outre le fait d'être chef, c'est aussi chef mécano au GMT, chargé du chef des pneus. Et donc, tu t'es dit, une moto cool, c'est forcément une Yamaha et forcément une Yamaha sportive. Est-ce que c'est un choix totalement neutre ou est-ce que c'est dans ton contrat ? Non, c'est pas dans mon contrat, mais j'ai quand même une certaine tendresse pour ces motos-là. Oui, parce que tu les as démontées entièrement 2000 fois. Bah, je les ai démontées peut-être pas 2000 fois, mais un certain nombre de fois. Et puis j'en ai à la maison. C'est-à-dire que j'ai Une R1 de course. Une R6 de Supersport. Ouais. Donc, même si elles sont dans mon garage, je m'en occupe. Donc je les prépare pour la piste. Je ne peux pas rouler dessus, moi, parce que c'est des motos qui sont trop performante pour mes capacités sur la piste. Ouais. Tu parles du voile noir, hein. Toi, quand ça accélère, tu. Ouais, quand j'accélère très fort avec une R1, voilà. Donc, faut que la ligne droite soit longue. Pour les augmentations, il faut le coller dans une Audi RS3, chef. Il a dit oui. C'est ça, puis même ça demande du talent pour exploiter 200 chevaux et tout ça. Donc c'est mon fiston qui est grand maintenant qui gère ça. Et qui court les 24 heures du Mans. Entre autres, voilà. Donc cette R7, content, pas content ? Alors moi, je suis très content parce que elle est vraiment dans la filiation des sportives R6 R1. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Bah, d'ailleurs, ils disent que l'ergonomie, c'est celle d'une R6. Hein, c'est celle d'une R6, la position est assez radicale et tout. Mais par contre, c'est le moteur de la MT-07 que moi, j'aime beaucoup. Parce j'ai aussi une MT-07 à la maison. Mm. C'est ma femme qui roule avec. Et pour moi, c'est vraiment le bon compromis. Moi, c'est une moto, je me sentirais à l'aise pour aller user la gomme sur les Ça circuits. Ça manque pas avec. Un peu de moteur quand même. Ben, peut-être, certainement, mais je trouve que c'est bien dans la lignée. C'est une sportive qui est très accessible. Mmh. Malgré tout, elle est civilisée, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser. Ben, je l'ai utilisé dans les embouteillages parisiens. Elle est confortable, en fait. Confortable, non, j'irai pas jusque-là parce que la position est radicale. Mais par contre, le moteur, il est très, très souple, donc ça facilite... Ça facilite la vie. Et ce look 60e anniversaire de Grand Prix, C'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, c'est la déco qu'on a choisie pour les R1 et R6 de course qu'on a à la maison. C'est la déco là qu'on a choisie parce qu'elle est vraiment extraordinaire, magnifique. Donc, c'est un choix que tu assumes et que tu peux garder cette moto, quoi. Ah, moi, je peux très bien garder cette moto. Mmh. Ouais, très certainement. C'est Merci, sûr. Chef. Merci. Merci, chef. Vous êtes le plus beau, le meilleur et le plus gentil. Ça se confirme. Autour de Mathieu, journaliste pigiste, souvent lecteur invité de la rédaction, essayeur, parfois bénévole. Merci de m'inviter. Contributeur, tous nos comparatifs. Mathieu, encore une triomphe. Les gens vont croire qu'on est subventionné par la barque anglaise. En fait, ce n'est pas le cas. Non, c'était mon choix. C'est juste qu'ils font de bonnes motos. Exactement. C'était ton choix. T'aimes la speed. On a roulé il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Elle est dans l'ancien, dans le numéro d'avant. Je pense que même c'est cette moto, je pense. Voilà. Pourquoi une speed triple ? Parce que c'est le beurre et l'argent du beurre. C'est bien dit. Non, parce que je trouve en fait que c'est un très intéressant compromis entre une sportivité quand même assez un peu exacerbée et une facilité d'utilisation comme un roadster finalement beaucoup moins sportif. Ouais. Non, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Mm-hmm. Et j'adore ce compromis quand même dans le côté extrême, mais j'aime beaucoup son compromis au-delà en plus d'aimer sa gueule, ça c'est personnel. Non, bah, la finition, en tout cas, ça ne discute pas. On avait les quatre roadsters du marché il n'y a pas longtemps. En termes de finition, quand tu vois le carbone, les petites papates à l'arrière, des choses comme ça, c'est vrai qu'elle est carrément un cran au-dessus de toutes ses rivales. Clairement, cette marque est reconnue à l'heure actuelle, je pense qu'on peut le dire, pour sa finition. Celle-ci en particulier, on verra sur le détail que j'ai choisi. C'est un très bon compromis et du coup, ça fait partie des petits engins qui me font un peu vibrer en ce moment. Alors, ceux qui nous lisent et qui ont lu le dernier comparatif avec ces roadsters ont vu que ton coup de cœur allait sur l'Aprilia Tiono V4, malgré tout, pour un usage qui est sympa, mais qui est quand même un peu chiante au quotidien, là-dessus, on est sur un step plus important en termes de polyvalence, c'est ça ? Oui, clairement. Ah, ça, c'est sûr. Mais d'ailleurs, à l'époque, je le pensais déjà. Après, il se trouve que mon coup de cœur avait été pour l'Italie parce que... différentes raisons. Mais c'est sûr que là, le compromis de celle-ci, avec des qualités... je veux dire, par compromis, il ne faut pas entendre quelque chose de négatif. Loin de là, bien au contraire. C'est la capacité à tout faire. Ah, bien au contraire. Qui me fait un peu godiller et qui, voilà, je me suis dit, pour cette sortie, ça peut être une un très bon c'est choix. Bien. C'est l'occasion de rouler à nouveau sur une speed. Merci, Mathieu. À bientôt. Merci. C'est
C'est le tour des deux petits lapins de la rédaction. On va commencer par Nico. Nico, qui a une voix complètement cassée, comme si tu avais chanté du punk japonais toute la nuit en fumant des gitanes. Ah, c'est peut-être c'est le cas. C'est d'ailleurs le cas. C'est peut-être le cas. Voilà. Nico, on sait que tu as une grande passion pour la CB500 parce qu'à un moment, tu as essayé plein de motos à deux et aucune ne parvenait à déloger de ton cœur la CB500, même des motos avec plus de caractère, des personnalités, de machin. Du coup, moto de tes rêves, CB500R. CB500R. Bah en fait, moi, en fait, le problème que j'ai avec la CB500, c'est son look. Oui. Le look de la CB500 me touche pas trop. Et en fait, moi, je suis assez sensible aux petites sportives. Oui. Et celle-ci, je la trouve assez réussie. D'accord. Voilà, esthétiquement. Et en plus, j'ai appris que ce millésime, donc 2021 ou 2022, avait un nouveau train avant. Et j'étais curieux d'essayer. Déjà, le look s'est corrigé. Et en plus, avec un nouveau train avant. Et je suis conquis. D'accord. Je suis conquis. Donc en fait, le beurre et l'argent du beurre, la facilité de la CB500, le look d'une vraie moto, un train avant qui permet de rentrer comme un barbare dans les virages. C'est merveilleux pour ça. C'est merveilleux pour ça. En fait, si tu veux, je retrouve le comportement routier de la CB650R que j'avais beaucoup apprécié. Et là, en fait, c'est un mix en fait, entre les deux. Donc là, c'est vraiment la moto de tes rêves. Bah, en tout cas, en A2. En A2, oui, mais... C'est une fatalité, tu es encore à deux quelques mois. Voilà, après, il y a la 19 Nadège qui me plaît, qui m'a beaucoup plu. Des fois, je me... Mais là, en A2, pour le quotidien, pour tout faire, je trouve que vraiment, en plus, la position de conduite n'est pas trop extrême pour une petite sportive. Et voilà, moi, j'ai trouvé ça, je trouve ça génial, en fait, à rouler partout, en fait, même sur autoroute, elle est à l'aise. Voilà, donc je suis convaincu. Eh ben merci Nico, c'est toujours réjouissant de voir que quelqu'un a trouvé l'amour de sa vie. Pour Nico, c'est la CB500R. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. On passe au deuxième petit lapin de la rédaction avec Nadège. Nadège, toi, alors Nico vient de dire à l'instant que ta moto était moche puisque tu roules en CB500. Oui, et c'est pas grave. Sauf qu'il n'aime pas le look. Vos deux bureaux sont l'un à côté de l'autre, je vous laisse régler ça entre vous quand on sera de retour à Paris. Toi, tu n'es plus à deux, même non. si tu roules encore sur une moto perso qui est à deux. Exact. Tu as l'occasion de tester des grosses motos en full power. Et en fait, quand on t'a fait essayer il y a quelques temps déjà, il y a une vidéo qui traîne sur la chaîne, une R90, tu as eu un coup de cœur. Ouais. D'où le fait qu'on t'a remis une R90 pour cette sortie de la rédaction. Exactement. Est-ce que tu as toujours ce coup de cœur pour cette J'ai toujours ce coup de cœur. J'ai deux coups de cœur. J'ai la Bonneville, qu'on avait essayé à Cholet, ainsi de suite, que j'avais adoré. Et en fait, la dernière fois qu'on avait essayé la 90, finalement, je ne l'ai pas eu longtemps. Oui. Donc, c'était un petit coup de cœur. Et je voulais vérifier si ce coup de cœur en était un vrai. Et j'adore. Est-ce qu'il se confirme ? J'adore. Alors, tu es un peu sur la pointe des pieds sur cette version Urban GS, mais tu la manies vachement bien. Merci. Bah, si, c'est vrai. Un peu sur la pointe des pieds, mais ça va, on a connu pire. Ouais. On a connu pire, ça va, finalement, le moteur est tellement en avant que... Certes, c'est haut, mais c'est tellement fin comme celle. C'est fin et le centre de gravité est tout en bas, donc ça aide. Donc c'est plutôt facile à manœuvrer, c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup. Au niveau caractère moteur, ça te plaît ? Ouais, j'ai pas envie... Bon, on roule vite, mais je vais peut-être pas m'amuser à faire du 200 sur des lignes droites à chaque fois. C'est interdit, tu sais, Nadège, le 200. Faut pas écouter Axel Pellerin qui parfois j'arrête dit des choses. J'arrête d'écouter le chef, j'arrête. Il dépasse un peu. Non, mais c'est super agréable, ça relance quand Donc il faut. Donc, tu n'auras pas de souci de budget, parce que la CB500, c'est aussi un choix raisonnable. Tu te verrais là-dessus. Si j'avais pas de problème budget, finalement. Avec peut-être une option jauge d'essence, rapport engagé, quelques petits détails qui, à mes yeux, sont importants vu le prix. Mm-hmm. Mais complètement, finalement, si je gagne à l'euro-million, pourquoi pas ? D'accord. Eh ben, on tourne ça aujourd'hui, on est vendredi 13, donc ça sera diffusé plus tard. Mais on va aller jouer, puis on va espérer gagner, en fait. Bon, en tout cas, elle te va bien quand on te voit rouler avec. Ben, merci. Le combo fonctionne bien. Merci, Nadège. Ben, de rien. Jérôme, ami de la rédaction, qui nous a fait le plaisir de venir sur ce sujet. D'abord parce qu'on est toujours content de t'avoir, mais aussi parce qu'on va dire la vérité que notre bien-aimé directeur de publication n'a pas pu se joindre à nous. Et Pierre Orluc avait choisi une Hayabusa. Ça prouve que l'être humain n'est pas dénué de paradoxe, parce que Pierre roule avec des BM RT, voire GS. Et que ça, c'est un peu l'opposé de ce avec quoi il roule au quotidien. C'est la moto préférée de Pierre. Toi, elle t'a parlé, cette machine. Alors, on va rappeler aussi, Jérôme, c'est pas un secret, tu vis la moitié du temps de l'année aux États-Unis, où cette moto connaît un véritable mythe. T'en vois partout, en Californie, machin. J'en vois souvent, toi, t'en vois effectivement. Souvent. Ça te parle, une Hayabusa ? Qu'est-ce que t'as trouvé Écoute, c'est la première fois que je monte dessus. C'est une moto qui est d'aspect très lourdeau, à mon avis. Franchement, pas forcément hyper moderne.
Mais en fait, quand on monte dessus et qu'on met en route le moteur, là, par contre, ça commence à causer. Mmh. Voilà, moi, je suis grand et c'est un gros problème sur cette moto parce que la position, elle n'est pas pour les grands du tout. Pourtant, il faut des grands bras pour toucher le guidon, mais il faut des petites alors jambes. Alors ça, ouais, ça. Il faut être taillé comme un jubon. C'est exactement ça. Voilà. Donc, mais par contre, à rouler, alors là, à rouler, c'est bien. À rouler, qualité c'est bien. De suspension, tu m'as dit, c'est remarquable. Ah, c'est remarquable. Souplesse, puissance du moteur, moteur c'est remarquable. Super. Agilité, c'est pas du tout la péniche à laquelle on du pense tout. Quand on la voit. Du tout. Non, là-dessus, c'est la bonne surprise. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit, bon, à voir. Mais en fait, quand on met la clé de contact et qu'on met en route... Est-ce que tu la prendrais du coup pour ton usage? Parce qu'aux États-Unis, tu peux mettre un grand bras oscillant, un Porsche 400 et une 9 en string, et du coup, tu passes dans tous les rassemblements de motards et tu auras un vrai succès. Bon, c'est à réfléchir. Mais à réfléchir. Car n'oublie pas, Jérôme, il ne faut rien s'interdire. Il ne faut rien s'interdire. Voilà. Et donc, non, honnêtement. Non, ce n'est pas ton truc. Toi, tu roules en Truxton, hein? Ouais, c'est plus adapté au paysage, au climat, aux façons de rouler là-bas. Alors en fait, j'ai un feu. Il y a beaucoup d'Américains, évidemment, ils roulent en Harley. Ouais. Moi, je voulais montrer un peu mon côté européen. Ouais. Mais comme les Voxer n'étaient pas vendus exactement. À San Francisco, comme il n'y avait pas de moto française. Et que les motobécanes. Le deux temps est interdit en Californie, exact, hein, donc tu n'as pas pu mettre une motobécane 350. Et que j'aime. J'aime et que tu aimes les triomphes. J'aime les triomphes. Imagine, j'aime si tu avais choisi, on aurait eu 4 triomphes, là, on serait fait accuser de parti pris. Merci Jérôme. Enjoy. Puis tiens, un jour, on ira faire un sujet avec toi, chez toi. Ouais. Eh ben, bienvenue en Californie. Un point commun avec Greg qui du coup a pris la caméra à ta place. Salut Greg. Voilà, c'est que tu es l'homme des images de Motomag, mais toi c'est les images qui bougent et Greg c'est les images qui ne bougent pas. La vie t'oblige à une forme de pragmatisme vu les distances que tu parcours et le matériel vidéo que tu trimbales. Tu roules dans une Honda avec plein de coffres partout, des top cases. Une Deauville, tu peux le dire, une Deauville. Déglinguée, Deauville, qui tient grâce au scotch. Elle n'est pas déglinguée. Mais si, elle tient avec du scotch. Je vais le mettre en incrustation. Alors, on va faire un truc, c'est que si tu retires le scotch, elle tient encore debout. Il n'y a pas de scotch, mais il y a un scotch. Les valises. Bon, peu importe. Mais du coup, quand tu dois te lâcher, à la différence de notre ami Greg, toi, tu te lâches dans une forme de démesure ou d'exubérance quand Greg choisit une forme de simplicité décroissante. Alors, moi, on m'a dit, l'essai, prends la moto de tes rêves. Ouais, la moto de mes rêves, voilà, c'est Ducati, une moto de mes rêves. Tu vois, c'est la marque de tes rêves, Ducati. Non, c'est voilà, c'est en automobile, il y en a qui fantasment sur les Ferrari. Bah, moi, en moto, c'est Ducati, quoi. La couleur, tu donnes, Ducati, le son, feeling, voilà, c'est ça, c'est Ducati, quoi. Ouais. Ducati. Et du coup, la Street Fighter, c'est la moto déraisonnable. Elle ne protège pas, elle est tape cul, elle est brutale mais à bas régime. Et t'as kiffé. Mais on s'en fout. Moto de mes rêves, on s'en fout. La moto, elle vibre, elle vit, ouais. Elle vit. C'est de la vie, ça, c'est de l'adrénaline, 100% adrénaline. Donc, quoi. Tu la gardes au quotidien, un petit pare-brise, deux coffres sur le côté. Ouais. Alors, je vais pas en plein Paris avec les mesures Hidalgo, là. Ouais. Non, j'y vais pas en plein, là, ça chauffe de partout. En même temps, elle a fait 1,7%, il faut qu'elle arrête de faire chier les gens. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. 1,7%, on ferme ça. Non, mais voilà. À l'issue de cet essai, on est en Normandie, on est à Deauville, on a roulé deux jours sur les petites routes. Tu gardes cette moto comme moto de tes rêves? Ah, je garde cette moto. Alors, la petite histoire, à l'origine, j'avais pris la V4, la Street Fighter V4. Allez, autant qu'à se lâcher. Autant avoir 200 bouins, voilà. Mais voilà, j'ai récupéré celle-là parce que la V4 était un petit problème électronique. Ça n'existe pas, les problèmes chez Ducati. Non. C'est vraiment passager. Et du coup, je me retrouve avec la V2 qui a que 150 ou 155 chevaux. 155, ouais. Ouais, ouais. 155 chevaux. T'as pas été emmerdé pour doubler. Surtout que Greg roule en Himalayan 410, donc ça lève la route. Et je trouve que c'est super raisonnable. Ouais, ouais. Je me dis, avec la V4, je serai en orbite ou je sais pas où. Non, la V2, c'est top, quoi. Ouais, c'est top. Ça reste top, quoi. C'est un vrai caractère. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du choix de tes collègues? Bah, je trouve ça ridicule. Mais ridicule. Qui, tout le monde ou... Non, alors. Alors, vas-y, balance tes amis. Alors, je ne vais pas failloter. Axel, la moto de ses rêves, je la comprends. Ouais. Toi, je te comprends, la moto de tes rêves, voilà. Ouais. Jérôme, la Yabusa aussi. Non, c'est pas lui qui a choisi, mais en tout cas, bon, c'est pareil. C'est un mythe, c'est voilà. Voilà. C'est une légende de la, c'est une légende ouais, de la moto. C'est une moto qui fait rêver, quoi. Et je pense que dans 15 ans ou 20 ans, nos petits-enfants parleront de la Yabusa encore. Ah bah oui, bien sûr. Et on n'aura plus parce qu'on sera tous sur des merdes électriques. Mais pour moi, c'est une moto moche. C'est une moto moche, mais
Je sais que le moteur, il est extraordinaire. Mmh. Après, il y a la moto du boss, la R7, ouais, mais qui est très belle. Il est obligé par contrat. Elle est très belle et je peux comprendre la moto de mes rêves. Mmh. Après, là, il y a la RS Triumph RS aussi. Ouais. Pareil, c'est une moto, ça parle. Quoi. T'as un moteur, ça parle. Bon, après, le reste, je dirais rien sur le reste. Parce que là, Nike, c'est très beau. Nadège, je sais pas. Bah, faut lui demander. Elle, c'est moto de ses rêves. Elle parlait d'une Norton la dernière fois. Ouais, Norton. Oui, mais Norton, c'est vieux. Nicolas, je comprends pas. Il a le droit. C'est pas possible de rêver de ça. Je comprends pas son rêve. Bon, vous réglerez ça au bureau. entre vous. Le problème, c'est qu'entre ton bureau et le sien, il y a moi au milieu. L'organisation. Je sens que ça va être compliqué. Dites-nous quelle moto vous font rêver. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. CB500, Panigale Duke Street Fighter, Harley, grosse moto, petite moto. Ou, comme Greg derrière nous, une forme de démesure, parce que c'est ça aussi le plaisir. J'ai pas parlé de Greg. Dites-nous, bisous sur le cas, soyez prudents et à bientôt sur la chaîne YouTube de Motomag. Salut! En fait, c'est le photographe qui sera le plus photographe. Et donc, expliquez-nous, vous êtes photographe animalière et quand vous avez vu Grégory, vous êtes dit il faut absolument ce cliché d'un zèbre d'une espèce rarissime. Et vous faites une photo avec les deux. Oui, bien sûr. Alors, déjà, qui êtes-vous, Hélène, déjà, vous êtes une photographe avertie, apparemment. L'air de rien, comment il approche, il sort le Nikon. Vous appréciez la photographie? Oui. Ouais, bah voilà. Nous, on fait des photos de moto et il filme sur le tout, lui, c'est un grand photographe. Qu'est-ce que vous faites comme photo, Hélène? Moi, je fais des photos de vacances. Hein. Bah, voilà. Vous allez avoir une première publication dans Moto Magazine. Oh là 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 là. Sauf, je lui ai dit combien c'était payé parce que. C'est pas payé. C'est pas payé. D'accord. C'est pas grave. Reconnaissance. Tout plaisir était pour la reconnaissance éternelle. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. J'espère qu'il y aura. Non, mais est-ce qu'on peut regarder la qualité du travail d'Hélène? J'attends que madame part. Avant de regarder, j'ai peur de m'énerver. Oh non. Allez-y, regardez avec moi comme ça. Elle est parfaite. Vous pourrez frapper. On pourrait me frapper avant. Elle est parfaite. Et il y a la bulle au-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Il n'y a même pas. Non, mais il brille tout seul. Non, il n'y a pas besoin d'un réflexe. T'as vu qu'on peut rouler en Dacia et être un putain de séducteur. Non, mais attends, le mec, ça. C'est des lambas. Ah ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'en penses? T'as vu l'approche? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Même au niveau finesse. Alors, l'approche 10 sur 10, parce que franchement, vous êtes photographe. Bah oui. Même un aveugle, il pourrait le voir. Pas le cache-chien qui est arrivé, qui drague Jean. Ah ouais, non, ça c'est autre chose. Donc du coup, dans l'approche de Greg, l'approche est bien. Ouais, ouais. Maintenant, le culot, c'est celui qui a le plus de photos. Bah, je dis pas que je suis jalouse, mais... Oui, c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Complètement foncé. En fait, Mathieu, on t'appelait Dick Lavender parce exactement. Que ton petit gel de lavande était... C'était ouvert dans ta poche, près de... Voilà, et là, tu t'es fait chier dessus par une mouette. Voilà. Oh là 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 là. Comme quoi, c'est dangereux de partir avec vous. Hein. Bah non, parce que c'est toi qui fait le paratonnerre en merde. Du coup, c'est plutôt rassurant pour les autres, en fait. Ah. Il y a des mouettes. Oui, mais Mathieu est là. Ça va les tomber dessus. Ça fait penser à Francis Perrin. C'est un peu ça. Pauvre Mathieu, dis donc. Alors, il s'est fait faire l'extérieur en Hayabusa par une Himalayan, et en plus, bim. Putain, la vie est dure. Hein. La vie est dure. C'est un peu le début d'un mauvais film porno dans... Regarde. Voilà. Oh, c'est très bizarre, un mec à plat ventre. Je vais te mettre par là. Attendez-vous. Voilà. Les fétichistes des gants. Est-ce que tu penses qu'à la fin, il va lui lécher les gants? Ouais, c'est un peu bizarre quand même. Comme, C'est interdit. Oh, bah oui. Oh là là. C'est décidément très animalier le sujet Motomag. C'est de la laine ou tu sens des cils? C'est de la laine. C'est un beau petit gars. C'est rigolo. Voilà. Avec un yor. Tu sais, moi je suis l'ami des chiens. Bah, j'ai vu ça, des chiens, des ânes, des coqs, des animaux. Voilà, j'adore les animaux. Voilà. Il est marrant, il est tout bouclé. C'est un bichon frisé. Caniche. Voilà, mademoiselle. C'est quoi? Un bichon frisé. Ah, moi j'allais dire un caniche, comme on a l'impression.
C'est un bichon frisé. Allez, on retourne au fétichisme. On passe des animaux au fétichisme. Il va falloir arrêter une fille. T'as quand même une vie sympa, toi. C'est riche en rebondissements, c'est jamais pareil. Ouais, un coup, je photographie des mecs en cuir, un coup, je photographie des grands, un coup, des animaux, un coup, mes reins. Oui, c'est mes reins, tout ça. C'est ouais, un animal, c'est dépassé en moto. Exactement. Bah désolé, j'adore. Pas me laisser tranquille, monsieur. Les jambes, ça me rappelle ouais. Les Le Mans, les Pantins de l'époque quand on roulait, parce que c'est le même gabarit, la même puissance, sauf que ça freine mieux, que ça tient mieux la route. Quoi. Monsieur Bretel, oui. Il semblerait que dans l'histoire de la moto, c'est la première fois qu'une Hayabusa s'est sur l'extérieur par un Himalayan. Ouais. Un commentaire. Une réalité. Ah. Une réalité. Tu t'en remettras. Oh, bah, complètement. Non, il y avait du gravier, et c'était une route de merde. Et voilà. Que j'emmène tout le monde là. Ouais, c'est vrai. C'est bon, ça fait de. Au milieu de tout ça, il y a des vieux comme toi. Comment ça, des vieux comme moi? Des vieux qui font l'extérieur en Himalaya. Respect pour les vieux, dit le chef. Oui, c'est vrai que je pouvais sortir de la route. Mais bon. Bon, bah, écoute, désolé, hein, tu me sors plus, on veut pas. Écoute-moi, Nicolas Baudon, on y croit. Le Lémurien de la rédaction. Attention, c'est enregistré. C'est enregistré. Lémurien, t'as dit, t'écris ça comment? L-E-I, L-E-Y, ça s'écrit comment? C'est gentil, j'adore les mémoires. Ouais, ouais, bien sûr, regardez, bien sûr. De vitesse. Oh là là, Nicolas, vas-y, Bolo. Putain, on dirait mais Yannick qui... Levert. Yannick a commencé à changer de position. Ça serait pas ton fils légitime. Ça commence comme ça. Ouais, ça commence comme ça, il est dans l'heure et demie. J'allais off qu'on fait ouais. Entre nous. Finalement, c'est pas si pire. Hein. Ah non, non, on pourrait faire plus grave. Ouais, attention, voici Nadège Papignès. Attention. Putain, il faut aller. Nadège, reste bien sur le fil de droite, Nadège. Ben voilà, regarde. Ah bah écoute, elle est grande distinction, voilà. Ah ouais. Elle passe bien coulée. Bah, voilà. Elle passe bien. Et c'est celle peut-être qui a passé le mieux. Ouais, je pense. Tout simplement. Mmh. Nadège, pourtant, c'est une femme. Nadège, ça. Mais comment? Oh là là. Ouais, ça me surprend pas. Madame Mathieu, si vous. Voilà. Ça va. T'as eu la claque. Ah, ça commence comment, bien, dis donc. Ta carrière s'arrête. Hein. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Elle passe bien. Voilà. Elle passe vachement bien. Super coulée. Oh là là, regarde, comment on essaie de se rattraper. Prenez exemple, messieurs, prenez exemple. Heureusement que nous avons une femme parmi nous. Regarde, il y a Fred qui est déjà là, Fred, putain. Il est fou. Ouais, calme. Non. J'ai du boulot. Oui, bien sûr. 20h. Qu'est-ce que t'as dit? On débriefera ça lors de l'apéro. Ouais. Non mais c'était parfait, Nadège, comme on a dit. Un mélange de charme, d'élégance, de souplesse et d'efficacité. Même Thierry a dit... Et de fluidité. Et Thierry a dit, même les trajectoires, Thierry t'a dit. Ouais, même les trajectoires sont fluides. Ah bah tu vois, voilà. Franchement, Nadège, bravo. Non, on déconne, Nadège, c'était nul. Je sais pas s'il aime ça, à mon avis, il aime pas ça. Je sais pas. Un âne, ça mangerait pas de blé, Axel. Hein? Pourquoi ça mangerait pas de blé? Non, mais je sais pas, parce que tu vois, bon, c'est un herbivore, mais voilà. Ouais. T'as vu, je vais te donner à manger maintenant, il réclame. Ouais, c'est rigolo. Si, il aime bien le blé, en fait. T'as toujours aimé les bêtes, hein, toi, en fait. Les ânes, ouais. J'adore ça. C'est vrai? Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est pas la première fois que. Oui, je sais, dès qu'il y a un essai avec un âne, on te prend en photo, ouais, en vidéo, machin. Et à ma retraite, j'en aurai deux. C'est vrai. J'irai me balader avec. Bah. Oui, Jean-Pierre Timbaud, ça va se faire remarquer quand même. Non, mais ma tête, ça sera pas non pas. Alors, c'est que moi, j'ai toujours été fasciné par les documentaires animaliers. C'est-à-dire que les mecs qui arrivent, une fois, j'ai vu un truc sur les ours, et ils arrivent à foutre des GoPros dans l'eau au niveau des saumons quand les ours vont les choper, et ils font ça en gros plan. Mais je trouve ça que d'une façon. En fait, ton kiff, c'est la chasse aux saumons par les ours. Non, ce que je veux dire. Si, a priori, c'est ça. N'y voyez pas une image, bien sûr. J'ai toujours été fasciné par les documentaires animaux parce qu'en fait, dans le métier, on voit Greg, tu fais des photos, machin. Et quand tu vois que les mecs arrivent à choper des images où t'as un ours sous l'eau, qui chope un saumon, c'est. Est-ce que t'as vu la panthère des neiges? Non, j'ai pas vu la panthère des neiges. C'est bon, tu vois ça? Bah ouais. Magnifique. Ouais, je sais. Et du coup, tu vois, filmer des photos. Alors, l'âne en train de manger du blé nourri par Axel Mellerin, je suis d'accord, c'est moins. c'est on va sûr, pas avoir le prix du documentaire animalier, mais il y a quand même quelque chose. Il y a du vécu, ça me plaît, quoi. Tiens, tu vois, il te regarde et il commence à être triste. Il commence à être triste. Bon, les gars, ça tombe à ration.
Monsieur Mellerin, oui. Il paraît qu'on peut personnaliser l'affichage du tableau de bord. Oui, sur les triomphes, on peut mettre un message de bienvenue, oui, et un message d'au revoir. Et quand là, tu rigoles comme une vieille balade. Parce que j'ai fait comme d'habitude une connerie. Alors voilà, regarde. Hop, je sais pas si on voit bien là. Ouais. Alors hop, tu allumes le tableau de bord et voilà ce qu'elle va nous dire. Voilà, c'est toujours très rigolo. Ah oui. Je sais pas si on voit, voilà, bon bref. Merci, merci pour ce moment. Voilà, oh bah, comme ce moment de poésie, comme d'habitude. Bon, ça n'a pas l'air de l'apéro. Si, allez. Voilà.